Maman. Ça va, chérie? Oui. Tout va aller beaucoup mieux maintenant. Prends ce chapelet et garde-le toujours avec toi. Il te protégera. Tu comprends? Oui, maman. Je t'aime, mon bébé. Tu vas rester là, bien sage, et attendre maman, d'accord? Oui. Je t'aime très fort. Bonjour, Scarlett. Bonjour. Qui êtes-vous? Ton père était un ami à moi. Tu es prête? Ah, salut. Alors ça me fait plaisir. Hey, Rebecca! On voulait juste vous dire au revoir. Ouais. Vous allez beaucoup nous manquer, vous savez. Ah, au fait, merci pour les meubles. Bonjour. Regarde qui est là. C'est gentil de venir nous voir. Ça y est, cette fois, on s'en va. Oh, le quartier ne sera plus le même sans vous. Vous voulez entrer une minute? Oh non. C'est gentil, mais c'est... On a de la route à faire. Alors... Ouais, Seattle, c'est pas la porte à côté. Vous êtes sûr de ne pas vouloir garder certains meubles? Il y en a qui sont quasiment neufs. Oh, ouais, on est sûr. On veut prendre un nouveau départ, vous savez. On va tout recommencer à zéro. Ouais. C'est normal. Laissez-moi vous donner de l'argent, au moins. Non, 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 non. Non. Non, non, c'est hors de question. Ils sont à vous. Ça nous fait plaisir. Ah oui, et on tenait aussi à... On tenait à vous donner ça. Oh non, c'est trop. Je faites-le pour lui. Allez. S'il vous plaît. Il a droit à une maison heureuse. Merci. Allez, on y va. Ouais.
fait 8 heures qu'on est parti. Plus que 12. On devrait s'arrêter, tu crois pas? Passer la nuit quelque part. Je m'arrêterai que quand on verra le panneau « Bienvenue dans l'état de Washington ». Arrête un peu. Je sais que t'es fatigué, on peut dormir dans un motel. Si t'en vois un, tu me fais signe. Les nausées matinales. Qui êtes-vous? Ne te retourne pas ou je te tranche la gorge. Qui êtes-vous? Je suis un ami de Chad. J'essaie de le joindre depuis un certain temps, mais il me rappelle jamais. Tu trouves pas ça mal poli? Qu'est-ce que vous voulez? Dis à ton cher mari qu'il faut qu'il paye. Il saura de quoi tu parles. Scarlett, Thierry. Scarlett. Est-ce que ça va, ma puce? Est-ce que ça va? À ton avis, Chad. Un type est entré chez nous ce soir et m'a demandé de te dire de payer. C'est quoi cette histoire? Hein? J'ai parié et j'ai fait des mauvais coups. J'étais sûr de moi. J'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Je dois un peu d'argent à des bookmakers. J'arrive pas à y croire. Je les rembourserai avec ma prime de Noël. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit, chérie? Un mec est entré dans notre maison. Calme-toi. Il m'a menacé, il m'a mis un couteau sous la gorge. Et il connaissait mon nom. J'ai peur, Chad. J'ai peur pour ma vie. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Combien tu leur dois? Combien, Chad? $25,000. On a eu un accident. T'as rien de cassé? Attends. Attention, tu mets les pieds. Oh, oh. Ça va? Fais chier. Plus de peur que de mal. Tu t'es endormi.
C'était un accident. Je t'avais dit de faire une pause. C'était un accident, j'ai pas fait exprès de m'endormir. On est au milieu de nulle part, on fait quoi, Chad? On fait quoi? Mais j'en sais rien ce qu'on fait. Mais fais marcher ta cervelle. Mais pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, bordel? J'en sais rien, je te dis, j'en sais rien, oh! Mais tu m'écoutes jamais, voilà pourquoi on en est là. C'était un accident, j'ai pas fait exprès de m'endormir. T'as ton portable? Comme si ça allait capter. Regarde. Je crois qu'on peut aller frapper à leur porte. Je sais pas trop. Moi, je crois que oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Vous êtes perdu? Oui, on peut dire ça. Laissez-moi deviner, vous êtes en panne. En fait, il s'est endormi et on a percuté une grosse borne et la voiture a fini dans le fossé. Oh non, non, est-ce que ça va? Ouais, mais notre voiture est complètement HS, alors... On se demandait si on pouvait utiliser votre téléphone? Bien sûr, oui, bien sûr. Un pote à moi, Chuck, a un garage plus loin, là-bas, à Jefferson. Ah ouais? Et c'est loin d'ici? 50 kilomètres. Mais ouais, je suis désolé. C'est la ville la plus proche. Mais Chuck est un gars sympa et... Il a une dépanneuse et beaucoup de temps libre. Hein? Il est... sourd. Non, 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 non. Qu'est-ce que ça fait là? Prends-le et va le remettre à sa place. Va chercher un chariot et enlève-moi ça. Allez. Allez, vas-y. Son père était un pote à moi. Il nous donne un coup de main. Personne ne veut de lui en ville, alors... C'est gentil de votre part. Hé, venez prendre un verre à la maison. Ma femme sera contente comme tout d'avoir des invités. Oh, au fait, je m'appelle Samael. Scarlett, mon mari Chad. Enchanté. Enchanté. Ravi de vous connaître, Samuel. Non, merci, c'est... Beaucoup. Je vous en prie. En fait, ça se prononce Samael. Mais appelez-moi Sam, comme tout le monde. Allez, venez. Hé, Lille. On a de la visite. Je te présente Chad et sa femme, Scarlett. Voici mon épouse, Lilith. Laissez-moi deviner, vous êtes en panne. Non, 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 ils ont eu un accident. Oh non, est-ce que ça va? Oui. Ouais. Oui, oui, ça va, on voudrait utiliser votre téléphone. Ah oui, oui, c'est vrai, Lilith. Appelle Chuck, chérie, dis-lui de rappliquer avec sa dépanneuse. Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas, j'ai aucune tonalité. Bon, c'est bizarre. Vous dites que vous avez percuté une borne? Ouais. Ça devait être le relais téléphonique. Vous rigolez? Non, non. Bon, c'est...
il est trop tard pour que je fasse l'aller-retour pour vous emmener en ville. Alors, vous en faites pas. Vous allez passer la nuit ici et on vous conduira au garage à la première heure. Non, on ne veut pas s'imposer. Non, pas du tout, on adore avoir de la compagnie. Absolument. On a beaucoup de chambres et je vais vous préparer un bon petit dîner. Oh, vous êtes très gentil. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je m'appelle Scarlett. Alal. Alal, c'est un plaisir. Oh, c'est très gentil. Merci. Il n'y a pas de quoi. Oh. Elle est très bonne. Merci. Ravi de vous connaître. Oui, moi aussi. Au revoir. Ça sent bon. J'espère que ça vous plaira. Dites, ça vous dirait de goûter une bouteille de chez nous? Pourquoi pas? Ouais. Ouais, génial, génial. J'espère que vous aimez le rouge, parce que c'est tout ce qu'on a. Ouais, ouais, on adore le vin rouge. Celui-là, c'est un Cabernet Sauvignon. Attendez, vous n'êtes pas des amateurs de Merlot, au moins? Sam, arrête. Ah, je plaisante. C'est pas mal non plus de Merlot. Mais le raisin Cabernet donne l'un des meilleurs vins au monde. Je ne cultive rien d'autre. Celui-là, c'est un millésime 2001. Le meilleur millésime de tous les temps. De tous les temps. Ça a été une excellente année pour nous, hein? C'est vrai. Trinquons à nos invités. Que le pire jour de votre passé devienne le meilleur jour de votre avenir. Samaël, c'est pas tout à fait ça. C'est que le meilleur jour de votre passé devienne le pire jour de votre avenir. C'est pas ce que je viens de dire? Non. Non, santé. Waouh, c'est une merveille. Eh bien, je vous l'avais dit, hein? Ouais. Tu viens pour le souper? Le voilà. Merci. C'est quoi son nom? Alal. Il lit sur les lèvres, c'est Alal. Alal? Ouais, parce que c'est tout ce qu'on entend. Alal! 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 Ça me... Quoi?
Sam, arrête, c'est pas drôle. Quoi, on peut plus rigoler, je plaisante. Tu le sais que je rigole, hein, Alan? Hein? Bien sûr qu'il le sait. T'as trouvé le trou dans la clôture? Un. Alors en plus, tu es aveugle. Allez, dépêche-toi. Je reviens tout de suite. Lilith, puis-je utiliser les toilettes? Bien sûr, c'est par là. Première porte à gauche. D'accord, merci. Samaël aime mettre du piment dans toutes les choses. Moi, le piment, c'est pas trop mon truc. Un peu de vin? Merci, oui. Vous avez l'air d'avoir traversé des épreuves, tous les deux. Je suis désolée. Ça ne me regarde pas. Non, il n'y a pas de problème. On a perdu notre fils, il y a quelques mois. Je suis désolée. Je sais pas quoi dire. C'est pas grave. Que voulez-vous dire de toute façon? C'est pour ça qu'on a quitté San Diego. Ça a été très difficile. Tout nous fait penser à lui. Vous avez des enfants? Non. Pourquoi? Pourquoi moi? Vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre. Des décisions qui détermineront le genre de vie que mènera votre fils. Ah oui, c'était vraiment, vraiment délicieux. Mais je vous en prie, voyons. Je vois bien d'aller en chercher une autre. On est dans un vignoble, après tout. Bois du vin et tu dormiras bien. Dors bien et tu ne pécheras pas. Évite le péché et tu seras sauvé. Donc bois du vin et tu seras sauvé. C'est ce que mon père disait toujours, mais je sais pas si c'est vrai. Je vais chercher l'appareil photo. Et que faites-vous dans la vie? Je suis institutrice, mais j'ai pris une année sabbatique. Ah bon? Oui, j'ai besoin de temps pour... Souriez, les amoureux. Allez, allez, rapprochez-vous. J'adore prendre les invités en photo. Allez. D'accord. Non, d'accord. Attention, souriez. Parfait. Fermez les yeux. Non. Bon, alors ça va. Non, non, laissez. Je m'en occuperai demain matin. Vous êtes sûr? Parce que ce serait non, quand même... Non, 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 non. Vous êtes nos invités. Reposez-vous. Vous avez une longue journée qui vous attend. Vous êtes sûr? Oui, complètement sûr. Je vais vous montrer vos chambres. Nos chambres? Vous savez, on est mariés, on peut dormir ensemble. Ah oui, mais on n'a que deux chambres simples. Je suis désolé. J'espère que ça ira. Oui, bien sûr, ça ira, chérie. On n'est plus des jeunes mariés. Hein. C'est parfait. Super. Suivez-moi. Vous avez une très jolie maison. Ouais. Oh, merci. Si vous n'arrivez pas à dormir cette nuit et que vous avez envie de regarder la télé, faites comme chez vous, surtout. J'ai encore du boulot dehors, alors...
Merci pour tout, c'est très gentil à vous, vraiment. Ouais, c'est sympa de nous dépanner. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Ah, ça nous fait plaisir. Je te rejoins dans pas longtemps. Tarde pas trop. C'est une maison de famille? Oui, la propriété appartient à la famille de Sam depuis toujours. Et ce sont tous des parents à vous? Oh non, ce ne sont que des gens de passage, comme vous. Eh ben dis donc, il y en a du monde qui passe par ici. Ne croyez pas ça. Nous habitons ici depuis très longtemps. C'est là que je vais mettre votre photo. Alors, voici l'une des chambres où vous passerez la nuit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Notre chambre est au bout du couloir et juste en face, il y a la salle de bain. D'accord, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Ils sont sympas, non? Ouais, ils sont étranges. Mais sympas. Tu serais étrange toi aussi si tu passais toutes tes journées au milieu de nulle part. Ouais, mais Sam n'arrête pas d'aller dans cette grange sinistre. Ils font du vin. Oui, mais pourquoi il va là-bas au beau milieu de la nuit? Il y va pour piétiner le raisin, peut-être. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Tout finira par s'arranger, tu verras. Je sais. C'est difficile, c'est tout. Ça ira mieux quand on sera à Seattle. Ouais. Des lits séparés. Mais bonne nuit. Bonne nuit. Alors, salut, tu vas te coucher? Ouais. Je me lève toujours à l'aube, alors je vous réveillerai tôt et je vous emmènerai à Jefferson. D'accord. Merci encore, Sam. Non, il n'y a vraiment pas de quoi. Fais de beaux rêves. Ouais, merci. Oui, allô? John? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Scarlett? C'est Gunny. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait une grosse crise. J'ai peur. Est-ce qu'il va bien? Maman, oui. T'as appelé le docteur Miller? Oui. Il m'a dit qu'il allait s'en sortir. Oh, chérie. J'ai eu si peur, j'ai cru qu'il allait mourir. Je rentre à la maison tout de suite, d'accord? J'arrive tout de suite.
Je vous prie de m'excuser, je... N'arrivez pas à dormir. Vous avez une dure journée. C'est toute l'année qui a été dure. Dites-moi, comment s'appelait votre fils ? Danny. Gunther. Comme le grand-père de Scarlett. Gunny. C'est très joli. Ça vous a fait quoi quand il est mort ? Ça a dû être terrible. On ne se remet jamais vraiment de la mort de son enfant. Tu m'as fait une de ces peurs. Je suis désolée, chérie. La tête que t'as faite. Tout va bien ? J'arrive pas à dormir. Moi non plus. Allez, viens. Excuse-moi de m'être endormie. Tu es pour rien, c'est un accident. Tu devrais dormir ici, avec moi. Je dormirai par terre. Non. Tu dormiras pas si tu fais ça. Et demain, on a une journée encore plus longue qu'aujourd'hui. T'as raison. Je sais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Cette fois, il a arrêté de respirer. Je suis sûre que vous pouvez faire quelque chose pour nous aider. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais votre bébé est très malade. Il faut voir la réalité en face. Je suis navrée. Mais la grossesse s'est pourtant bien passée. C'est la chute. Nous ne saurons jamais vraiment quelle en est la cause. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il va s'en sortir. C'est juste qu'il va avoir besoin de beaucoup d'amour et d'attention de votre part à tous les deux. Surtout dans les mois à venir. Mais est-ce qu'il sera... normal ? Est-ce que notre enfant sera normal ? J'ai bien peur que non.
Oui, c'est un peu violent comme réveil, hein. Je crois bien que ma femme a craqué pour toi, bonhomme. Regarde-la, Chad. C'est important que tu la regardes. Si tu détournes le regard, elle souffrira encore plus. Je te le promets. Qu'est-ce qui se passe, Chad? Tu n'es pas performant sous la pression, c'est ça? Que t'aimes ça, regardez, alors. Ce spectacle est pour toi. Regarde-la s'en aller. Elle aura bientôt plus d'air. Oh, Seigneur. Chad, je vous prie. Non. Si vous voulez, non. 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 Ne faites pas ça. Non. Hé, hey, regarde-la. Regarde-la, je te défends, détourner le regard. Tu tournes encore une fois la tête et elle y reste. Chad, t'es vraiment qu'un sale petit merdeux. La personne que t'aimes est en train de mourir sous tes yeux et toi, tu fais rien, tu bouges pas. Pourquoi tu fais rien pour l'aider, Chad? Peut-être parce qu'il peut pas. Bah ouais, peut-être bien, peut-être bien. Tu sais quoi, Chad? Je crois que je vais remettre sa vie entre tes mains. C'est trop de responsabilité pour moi. On va voir si tu sauras être à la hauteur cette fois. Voilà.
J'espère que Chad tient de tout cœur à toi, parce que ton sort dépend de lui. Je t'en prie. Tiens bon. Chérie, lâche pas. Qui tient vraiment à elle, finalement. T'auras au moins essayé, bonhomme. T'auras au moins essayé. Espèce de connard! Pourquoi vous faites ça? Tu sais très bien pourquoi. Laisse-moi te donner un conseil, Chad. La prochaine fois, mon gars, serre-toi de ta tête. J'ai une de ces envies de te sauter. Alors, qu'est-ce que t'attends? Je te conseille de te reposer. Les réjouissances ne sont pas encore finies. Allez, réveille-toi.
chérie. Oh, viens là. Viens. Lève-toi, lève-toi. Respire, respire. Respire, 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 respire. Ça va? Mon amour. Mon amour, t'es vivante. Ça va aller. Tout va bien. Ça va aller. Ça va aller, c'est fini. Est-ce que ça va? Hein? Dis-moi. Allô? Salut Scarlett, comment ça va? Qui est-ce? Tu m'as déjà oublié. Je suis très vexé. Qu'est-ce que vous voulez? On vous a payé, non? C'est ce que Chad t'a raconté. J'ai l'impression qu'il y a comme un manque de communication dans votre couple. Quoi? On vous a donné 25 000 dollars? C'est vrai, Scarlett. Mais où est le reste? Quoi? Le reste de la somme. Tu ne croyais quand même pas que c'est tout ce qu'il nous devait? Combien il vous doit encore? Ton Chad adoré, chérie, nous doit la coquette somme de 238 000 dollars. Scarlett, considère ceci comme un appel de courtoisie. Si je suis obligé de te rappeler, je peux t'assurer que je serai beaucoup moins agréable. Scarlett, tu es là? Oui. C'est pas la peine d'essayer de fuir, on te retrouvera. Et crois-moi, tu ferais qu'empirer les choses. J'espère que tu pourras faire entendre raison à ton mari, par amour pour Gunny. Gunny a besoin de vous deux. Au revoir, Scarlett. Oh, et n'oublie pas de ramasser le biberon. Tu les as jamais payés. Quoi? Ces types. Tu les as jamais payés. Mais bien sûr que si, tu le sais bien, voyons. Alors pourquoi ils font ça? J'en sais rien, ils sont cinglés. T'étais là, tu sais qu'on les a payés. On les a remboursés. Scarlett, arrête. Je t'en prie, crois-moi. Je t'en prie. Il faut à tout prix qu'on sorte d'ici vite. Allons-nous-en. Mmh. Faut pas rester. Fini. C'est pas la peine, j'y arriverai jamais. Mais si, donne-toi ton bras, je vais te descendre. Tu vas y arriver, je te le promets. D'accord? À trois. Un, deux, trois. Non!
S'il vous plaît, lâchez-moi. Cours, pars avec lui. Aidez-nous, il essaie de nous tuer. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi, venez. Pas un geste. Reviens ici tout de suite ou je te fais exploser la tête. Scarlett? Scarlett! Par ici! Scarlett! Scarlett, tu pourras pas sortir d'ici! La ville la plus proche est à 45 km, et encore si on connaît le chemin. Écoute, on voulait vous faire peur, c'est tout. On vous aurait laissé partir demain matin. Scarlett! Scarlett! Tu vas voir, Alal peut pas m'entendre. Mais ce que tu fais là, c'est mauvais pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Scarlett! Scarlett! Scarlett, ça suffit maintenant! Viens ici, toi. Allez. Mais à quoi tu joues, hein? À quoi tu joues? C'est pas grave, tu vas m'aider à la retrouver. Scarlett! Écoute bien ce que je vais te dire. Je vais me mettre à compter. Et si t'es pas là à 5... Je lui arrache les yeux, tu m'entends, Scarlett? C'est pas une blague! Hein? Deux. Trois. Quatre. Très bien. Cinq. Quelle sale pute. Encore un œil. Tu veux qu'il soit sourd et aveugle? C'est ça que tu veux, Scarlett? D'abord, je veux m'assurer qu'il me voit dire ça. Ce sera bien la dernière chose qu'il verra. Tout ça, c'est à cause d'elle, Alal. Tu comprends ce que je te dis? C'est à cause d'elle. Arrêtez!
arrêtez, je vous en prie. Arrêtez. Mais ben voilà. T'es pas si cruel que ça, on dirait. Sale enfoiré de merde. Je te demande pardon. C'est pas ma faute, Scarlett. C'est pas ma faute. T'aurais pu m'arrêter, mais t'as rien fait. Alors ramène ton petit cul ici avant que je lui tranche la gorge. Regarde-le. Il a qu'un œil. Oh, puis tu sais quoi? Il va plus me servir à grand-chose maintenant. Quoi? Alors, je vais quand même lui trancher la gorge. Non! 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 Tu vas où, chérie? J'ai des projets pour toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est son mari. Où il est? Je sais pas, je me suis évanouie quand il a frappé. Fais chier, putain! Elle a tué Alan! Non! Cette salope a buté Alan! Cette fois, tu n'iras nulle part. Il n'est pas dans la maison. On dirait bien que ton mari t'a abandonné. Enfin, on peut pas lui en vouloir. Oh, il peut pas être bien loin. Je le retrouverai. Comme je t'ai retrouvé toi. Sam, attends. Quoi? Il a ton fusil. Tu crois que c'est un tueur, lui aussi? Voilà qui pourrait être intéressant. Ça pourrait même être très, très intéressant. Tu t'es déjà servi de ce truc. Bien sûr que tu t'en es déjà servi. Il faut faire très attention parce que... on peut facilement se couper. Commencer à s'amuser. Non! Non, s'il vous plaît, non! Non! Je vous en prie, non! Ne faites pas ça! Non, Scarlett, je n'aurai aucune pitié pour toi. Oh, mon Dieu!
de la tarte, dis donc. Il va falloir que je change de côté. Bouge plus. Espèce d'enfoiré. J'ai dit bouge plus. Tue-le, je t'en prie. Allez, vas-y, tue-moi. Merde, tue-le, Chad. Tue-le, putain. Ton père t'a jamais dit qu'il fallait jamais avoir d'armes chargées chez soi. Hey, j'espère que t'as pas peur du noir. Ah.
viens de moi. Allez, viens. Je suis désolé, excuse-moi. Ça va aller, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ça va aller. Chut. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai trouvé un moyen d'arranger tout ça. Écoute. Mon assurance vie, tu sais. De quoi tu parles? J'ai besoin d'une journée pour aller à Indianapolis la semaine prochaine. Et pendant le week-end, je vais m'endormir en volant. Et... Quoi? Non, 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 arrête, chérie. Tu dis pas ça, arrête. Tu dis des bêtises. Écoute-moi, j'ai réfléchi à toutes les options et c'est le seul moyen. Ils abandonneront pas, ils abandonneront pas. Non, s'ils te tuent, de toute façon, ça sert à quoi? C'est absurde. Ils vont pas juste me tuer, moi. Ils vont te tuer. Et ils vont tuer Gunny. Non.
Dis-moi la vérité, Chad. C'est quoi tout ça? Mais de quoi tu parles? C'est ta faute. Je t'ai trouvé le blé et t'as pas payé. Scarlett, arrête, écoute-moi. J'ai payé ma dette. Crois-moi, Scarlett, je t'en prie. Tout ce qu'on a traversé, tous nos projets, tout ça pour ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que je les ai payés, tu me crois? Cette femme m'a dit que tu n'avais pas payé. Quoi? Ouais. Et c'est pour ça qu'elle nous harcèle. Elle t'a raconté des conneries. Espèce de menteur. J'ai payé, je te dis. Pourquoi tu me crois pas? Scarlett, je t'aime plus que tout au monde. Tu comprends ça? Écoute, mon cœur, si toi, tu me crois pas... Alors pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Pourquoi tout ça nous tombe dessus? Mais j'en sais rien, moi, j'en sais rien. On n'a pas de bol, c'est tombé sur nous, ça arrive. Non, ça n'arrive pas, des trucs pareils. D'essence. Oh. Et merde. Oh. Il faut que tu t'accroches, ma puce. D'accord. On va trouver de l'aide. Bon, chérie, on va trouver de l'aide, t'inquiète. T'en fais pas, non. Oh. Quelqu'un va forcément passer par ici. Regarde, là. J'y crois pas. On est sauvés. On a roulé tout droit pendant des heures. Non, non! C'est gentil de venir dire bonjour. Tu devrais le savoir.
quant à toi, tu es tout aussi coupable, Chad. Peut-être même plus. Merci, Chad. Aucun d'entre nous ne serait là sans toi. Tu sais, de tous les hommes qui sont passés ici à travers les âges, et Dieu sait qu'il y en a eu, tu es certainement le plus lâche d'entre eux. S'il vous plaît, tuez-moi tout de suite. Te tuer? Je peux pas faire ça, Chad. Tu l'as déjà fait à ma place. Ça m'amuse beaucoup de voir la surprise dans votre regard. Il y a quelqu'un qui désire vous voir. Alal. Enfin là. Qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas? Ton père était un ami à moi. C'est vrai. Pourrais-tu ranger ce chapelet, mon petit? Il serait dommage de le perdre. Merci. Tu ressembles beaucoup à ton père, tu sais. Tes yeux, surtout. Tu as beaucoup de potentiel. Je ressemble à ma mère. C'est vrai. Physiquement, oui. Mais dis-moi, comment est-il mort? Dans son sommeil. C'est ce que maman t'a demandé de dire. Papa te faisait du mal, n'est-ce pas? Je le sais bien. Mais maman a mis un terme à tout ça, n'est-ce pas? Tu vois, je suis au courant de beaucoup de choses. Je suis au courant de tous les secrets. Veux-tu que je te dise un secret, Scarlett? Oui. Je sais où est ton papa, et si tu le veux, je peux t'emmener le voir. Non. Tu es sûre? Ce n'est pas grave. Nous avons tout le temps. Tout le temps de te faire changer d'avis. J'ai toujours été à tes côtés. Je murmurai à ton oreille. L'assurance de vie qu'on a souscrite couvre toute la famille. Non. On pourra avoir d'autres enfants. Non. Je te prie, s'il te plaît, écoute-moi. On n'a pas le choix, John. Je te prie.
Chad, écoute-moi. Tu le sais. Gunny n'aura jamais de vie normale, chérie. Et reconnais-le. Je t'en prie. Fais pas ça. Et on aura d'autres enfants. Et bien sûr que si. On peut tout recommencer à zéro. Toi et moi. Tous les deux. Hein? Chérie. Je veux pas te perdre. C'est trop dur. C'est trop dur. Personne pourrait rationaliser n'importe quoi. Si je n'étais pas celui que je suis, je penserais que tous les deux, vous êtes d'horribles personnages. Écoutez, on n'est pas comme ça. C'était pas nous, ça. Bien sûr que c'est vous. Bien sûr. Je vous en prie. Donnez-nous une seconde chance. Une seconde chance? Ferais-tu les choses différemment, Scarlett? Dis.